Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion de live sur le Not So Berry. Voilà. Alors, on avait quitté la famille. Je viens de faire un petit récap vite fait. Je dis, c'est vrai qu'on avait eu la petite nuage qui nous avait rejoint. Il y a encore. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait encore l'urne de Macy qui était là. Ah la saleté! Ah, qui crève devant les gosses. La petite perle qu'on avait relookée. Et puis le gros pulco. Ça va, ça va, ça va. Il y a la moins de bites que moi, ça va. Et par contre, la petite Nathalie qui est encore en cours de construction d'un troisième gosse. Troisième et dernier. Hein, on va pas non plus se leurrer. On va pas tergiverser. Bon, ben voilà. Allez vous coucher. Je sais, Pulco, il est en sale état. Vous inquiétez pas, on va le remettre d'aplomb. Il avait fini ses études donc la semaine dernière. Et il va avoir sa remise de diplôme maintenant. Enfin, maintenant, aujourd'hui, quoi. Le jour férié de la loterie était horrible. Ah mince, j'ai carrément pas. Ah. J'ai oublié. Je vais remettre du son. J'ai carrément oublié de mettre. De faire la loterie. De toute façon, j'aurais pas gagné, donc. Allez, va parler. Et tu vas manger, tiens. Une petite fringale de pleine nuit. Ah, Titi. Petite fringale de pleine nuit. J'espère donc que la petite nuage aura les yeux bleus. Et puis les paris sont ouverts pour le troisième mouflet qui attend. Et qui arrivera. Deuxième, troisième. Bon, de toute façon, on va avoir le troisième aujourd'hui. Hein. Forcément, j'irai au moins aujourd'hui jusqu'à l'accouchement. Et puis, après, comme il y a le vote des prénoms et tout le tralala. Forcément, on va s'amuser. Hein. J'adore le papier. Ah oui, celui-là. Oui, alors, il y a quelques personnes qui m'ont demandé dans les commentaires YouTube pourquoi j'avais pas remis jaune et rouge et tout ça. Merci Snowdays, merci beaucoup pour le follow. Parce qu'en fait, c'est vrai que comme je l'ai mis en accéléré sur l'épisode en rediff, vous n'avez pas pu avoir la conversation. Mais c'est vrai qu'en ressortant tout ce qu'il y avait dans le. Dans l'inventaire de la famille, j'ai fait waouh, c'est assez criard quoi. Le jaune flash, le rouge flash, j'étais oh là là. Et puis ça collait pas du tout, par exemple, avec le papier peint. Et je voulais pas forcément retour changer. Donc on était d'accord avec le chat que on gardait les papiers peints d'origine et que du coup on changeait les couleurs. En tout cas pour la chambre de Pulcotte, qui du coup un peu dans les tons bleus. On avait gardé un peu de rouge pour Macy parce que c'était la femme de Bordeaux qui était la génération rouge. Et là, on est parti un peu quand même sur du gris un petit peu quand même pour la petite perle. Et puis là, c'est un peu. Oh, il est tout cracra. Bon, la petite nuage, ça va être un peu ça. Oh, bichon, il va aller pleurer, il a perdu sa maman. Bon, je comprends. I understand. Salut, TV Gladys! Bombe tronade, des triplés. Oh, non, 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 mais t'as trop. Non, 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 pas de triplés. Je pense pas. Attendez. Déjà, des jumeaux, c'est très très rare. Alors, des triplés, faut pas rêver. Salut Snow Days! Donc, voilà. Et bien sûr, bah, j'avais dit que. C'est vrai qu'on. J'avais oublié que c'était cassé, ça aussi. Bah, tu sais, t'es levé, tu vas les réparer. Puis, t'iras manger, tiens. Allez, allez, on est en pleine nuit. Bah, regardez, il a dormi et tout, donc c'est bon. Regardez, il faut quand même qu'il répare. Hein. Voilà, c'est bien mon petit. Tu vas manger un coup. Et donc ça, on m'a dit aussi que il fallait que j'achète le robot aussi, en fait. J'avais juste la base, qui est complètement débile. Mais qu'il fallait que j'achète le truc pour que ça marche. Moi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? L'aspirateur, est-ce que ça nettoie vraiment les choses? On sait pas. Mange-toi! Après, tu iras te doucher. Bah du coup, en fait, j'allais me dire, mais fais pas la vaisselle, c'est le majordome qui va le faire, mais on n'en a pas. Nous n'avons pas de majordome. Oh, c'est la tristesse, hein. La vieille, elle est partie. Bon, tu retourneras, bon, tu iras pleurer un coup, hein, et tu iras te coucher, ma petite Nathalie. Tu sais que t'as une salle à manger pas loin, Pulco, en fait, là? Non? Compliqué la vie. Oh bichette. Il est tristoun, regardez-le. Au moment. Puis hop, il repue. Parce que manger de la salade de fruits, c'est un très très grand effort physique. Oh punaise, il se donne lui-même envie de vomir. Ce qui est bien, c'est qu'au moins lui, il a cette conscience-là, parce qu'il y en a, qui puent, et qui n'ont pas conscience de leur odeur. Du coup,
Bah voilà, c'est nous qui vomissons à leur place, quoi. Mais au moins, lui, il a cette décence de savoir qu'il pue. Au point d'aller vomir, quoi. Salut, Kate Kiki, comment ça va? Bah oui, mais le robot, en plus, il est bien avec les chats. Ouais, mais on n'a pas d'animaux, donc c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il va vraiment être utile, au final, dans cette maison? Je suis pas sûre. Je l'ai dans une partie aspirateur, mais il sert à quoi? Bah ouais, c'est ça, je pense que quand c'est les animaux qui font une petite gerbe ou des touffes de poils, tout ça, ou je sais pas, un petit caca, j'en sais rien, moi, je sais pas comment ça fonctionne. Ah mince, la petite, elle pleure, vous m'avez même pas dit! Vous dégueu... Eh, franchement. Hein? Vous êtes pas au taquet là sur le chat, hein? Moi, je vais vous engueuler, hein. Je surveille les minous, c'est bon, ils sont chacun d'un côté. Eh, mais réveille-toi, Gertrude! Oui, je sais, ta belle-mère, elle est claquée, mais bon. En même temps, c'était la belle-mère. Allez, ferme ta bouche, nuage. Améliorer l'aspirateur aspire les flaques. Ah, c'est pas mal, ça! Bah, moi, je n'entends pas le jeu, donc je ne peux pas te dire si la petite, elle pleure. Oh, putain, ça y est, le trampoline est de retour, hein? Trampoline plafond. Bah, c'est tout bleu! Vous entendez pas le jeu? Mais c'est vrai que j'ai l'impression que... Bah là, je vais le mettre à fond, mais après, je vais avoir les oreilles qui vont souffrir, hein. Là, c'est peut-être un peu trop. Allez, retourne pleurer, t'as raison. Va chialer, tu pisseras moins, même si tu dois déjà repisser. Nathalie est trop triste pour faire cela! Je vais rien dire. Vous entendez maintenant qu'il pleure, non? On préfère ta voix. Oh, pff, tu parles. Je joue en même temps. J'ai pas d'animaux dans la partie. Et là, vous l'entendez? Et là, vous l'entendez? Ah putain, mais cette souris. Vous l'entendez? Vous entendez pas? C'est pas possible. En fait, si je sors OBS, à la fois que je mette à fond ici, et là, dès que je regarde OBS, en fait, moi. Si, normalement, vous devez entendre. Ouais, connasse, là! T'as une gamine qui pleure! Oh là là! Et en plus, elle pue. Ouah, comme tous les gosses. Hein. Putain, je vais les tuer au-dessus, j'en peux plus. Je les supporte plus. Pardon, excusez-moi, YouTube. Salut, Elmerine, comment ça va? Faudrait le réducteur de pleurs de bébé dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça y est, tu t'es pris une passion ménage? Tu sais quoi, le gros, là? Vas-y, le gros, va courir. Va courir! Va te prendre les pieds. Va retrouver un corps d'athlète comme ton père, parce que pour l'instant, on en est loin. Non, c'est elle. Attends, toi, tu sais aller au pot ou pas? Non. Bon, ben, maman, elle est déjà au pot. Oh, commence pas, commence pas, commence pas, commence pas. Oh. Voilà. Tac, tac. Allez. Fais un peu ton travail de mère, de madré. Pouf! Voilà. Une petite fille qui fait pipi au pot. Niveau 2 du pot. C'est bon. Maintenant, elle pourra y aller toute seule comme une grande. C'est à quelle heure t'as remise au diplôme, toi, Jean-Claude? Oui. D'accord. Passe dans les trucs où je peux pas te regarder, c'est sûr. Ah bah voilà. Commence bientôt. Donc, on va pouvoir y aller. Ouais, il a pris un peu de poids. Un petit peu, mon neveu.
Bon, de toute façon, je peux accélérer parce que même sur le quand c'est sur le pot, c'est tellement long. C'est long, long, long. Merci beaucoup, Almirine. J'avais même pas vu ton truc pour le nouveau challenge. Merci beaucoup. S'il pouvait en faire un pour les ados aussi, ça m'arrangerait tout de suite. En fait, ils chialent tous cool l'ambiance. C'est ça. Bah, il y a eu un décès, hein, donc forcément. Requentin. Réducteur de chiant d'attitude. Ah, ça ferait, on ferait fureur avec ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est celle qui a failli être notre femme aussi. Adia. C'est bien, c'est gentil. Au revoir. Ah, ça doit être, c'est la... Bien sûr qu'on y va. On va aller voir Pulko tout beau avec son truc d'université. Avec son petit chapeau. Quand même. Je n'ai plus de bugs sur le live. Ah bah tant mieux, Quentin. Si t'as la fibre, c'est ça ou pas? J'aurais pu roter, parce que je vais cutter ça après. Ça va, Lulu? Petit cœur. Ça me fait mal au cœur. Oh, cacha, coucou, youpou, aha! C'est pas beau en rouge, hein, j'aime pas moi. Voilà, regardez. Magnifique miniature. Cet homme ne devrait pas être astronaute. Il devrait être acteur, comédien. Regardez, Ah, mais non, ça. Oui, c'est vrai que ça avait fait ça déjà la dernière fois. Cet acteur studio, ce drama king. Schniouf. Qu'est-ce qui se passe? J'entends dans mon casque comme s'il y avait une action qui se faisait en boucle mais qui buguait. Ouais, et j'ai pas le temps de voir ce que c'est. Oh là là, mais ça. Et puis ça m'énerve là avec leur bâtiment de mort là. Fuis! Ah, fuis, fuis! C'était fu. Non. Non, je confonds. Excusez-moi. Fuis, fuis! C'était pas celui qui draguait Tibalt? Attaque de lutin, oh oui! Vas-y, fais une attaque de lutin. Oh bah dis! Pierre Garcia! Mais j'ai l'impression que c'est les mêmes mecs qu'on avait dans le Let's Play avec Tibalt. Parce qu'on n'a pas été en résidence universitaire, là, on connaît pas les gens. Regardez! Elle est là, celle qui a failli être sa femme! Trop bien! Allez, va t'enthousiasmer avec Adia. Elle est mignonne, hein. Les petits lutins. Fuis, fuis, il est attaqué par les lutins. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais par la L! Oh, il m'énerve. Compliment de sa tenue. Oh, ça te va bien la blouse. Bah oui, tu la connais quand même, elle. Voilà. Il va s'enthousiasmer même s'il y croit pas. Ouh, ça m'a arraché les oreilles. Et c'est Shanjian qui s'est abonné sur YouTube. Merci beaucoup. Non, toujours pas. Ah non, il est chez Gryffondor. Oh, bah alors là, tu me parles d'un truc que je ne connais point. Allez, on va accrocher les banderoles. C'est la remise des diplômes, accroche, accroche. Ah, ça y est. Bon, bah voilà. Bon, bah, pendant ce temps-là, on va se faire chier. Hein. On va admirer la vue parce que... On peut rien voir. Et comme je parle pas le simlish... Non, je ne parle pas le simlish, je suis désolée. Ex-choix, c'est pas Pulcote. Comme vous entendez pas, je vous traduis. Je vous répète. Je trouve que le monsieur du Lord and Lady, désolé, j'ai besoin, ressemble à Tibalt d'ailleurs. Oui, c'est vrai, dans un certain. C'est la coupe de cheveux, je pense, qui fait ça. Je pense que c'est la coupe. C'est peut-être la coupe d'ailleurs de Halafak, je me souviens plus. Oui, c'est la coupe d'Halafak, c'est pas celle de Monde Magique. On dirait que c'est eux et l'autre, il était à fond sur Tibalt. Oui, c'est ça! C'est trop bizarre quand même, que c'est pas la même partie, mais on dirait les mêmes persos. C'est trop chelou. J'ai acheté un nouveau kit et du coup j'apprends à construire. Un jour j'aimerais bien que tu vois une de mes maisons. Ah, mais avec plaisir, Céline! Avec plaisir. Il est super le pack Winnie. Un grave. Moi je l'aime beaucoup. Hein. Et je dis pas ça parce que je l'ai eu gratuit. Hé, 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 oh! Attendez-moi! Voilà, il a déjà enlevé le nœud de son chapeau.
peau. Il l'a déjà envolé. Oh, avec le soleil, c'est joli. Le problème, c'est que j'ai le Blum Pop, hein, parce que c'est le Plum Bob, hein, mais bien sûr. Oh, qu'il est beau, le lavabo! Voilà, je vais faire ça. Et du coup, qu'on fait partie de la truc là. Oh, c'est bon, je pense que ça suffit. Bravo, Pulcote! Qu'on fait partie de la confrérie et tout le bordel. On y reste à vie ou quoi? Je pense, hein, de toute façon. C'est bien. Les petits lutins! On peut rien faire avec les lutins. Nous, on peut rien faire avec les lutins. S'entraîner à chanter et faire le cri de Foxbury. Vas-y, fais le cri de Foxbury tout seul. Chazopasaga! Floopy! Floopy? Oh! La crevette! Le homard! La crevette. C'est qui? C'est Larry le homard. Fetia ou. Ouais, d'accord. Je vais voir si je peux faire une photo avec. C'est pas rigolo. Non! Il faut que t'ailles dire bonjour. Prendre un selfie avec la mascotte. Mince, j'ai raté. Merci beaucoup, Monkey, pour ton abonnement sur YouTube. Vas-y, va choper la mascotte. Je veux un selfie. Putain. Non mais là, coder quelque chose de bien, j'ai l'impression de me retrouver encore une fois à... Comment ça s'appelle? À San Michuno, où on peut rien faire à cause des machins là qui bloquent tout là. On peut pas... Mais... On peut pas zoomer, on est marre. Je peux pas zoomer tranquillement, moi. Mais je veux juste être... casser les couilles! Je veux faire une photo. J'ai pas le droit. Pardon, ça me fait rire. Voilà. Bon, il a son truc là, mais. C'est très bizarre, on se demande ce qu'il fait avec le homard. J'aime bien, c'est rigolo. Putain. Pardon. Je sais pas si on a vraiment la photo. C'est incroyable comme c'est bugué. Je pense pas, hein. C'est juste une photo comme ça. Mais regardez, elle est très bien cette photo-là. Oh, et vous avez les coulisses en même temps hein, quand on fait les. Oh, putain, ça m'énerve. Oh, quand on fait les miniatures, voilà, ce sera une de celles-là. Ouais, voilà, c'est une fausse. Ah, c'est une fille! Fetia? Pulvérisé de peinture puante. Allez, on s'en fout, maintenant on a eu notre diplôme, nous on fait n'importe quoi. Attaque de lutin! Vas-y, c'est un gros thug. Je vous rappelle que c'est bien le digne petit-fils de sa grand-mère. Qui était la reine des thugs. Voilà. Et en plus, on peut contrôler l'esprit. Dormir. Vas-y! Vas-y, mamie! Ah non, mais regardez-moi, elle devient n'importe quoi là. Il y a les lutins, il y a la mascotte, n'importe quoi. Et il y a le pistolet, quoi. C'est n'importe quoi, on part en vrille. Mais c'est rigolax, hein? Qu'est-ce qu'on se marre sur le stream? Allez! Allez, le petit homard. Oh, il est fatigué, le homard. Poum! Regardez, un homard! Qui c'est qui veut les culs de homard? Qui c'est qui veut un œil d'homard? Voilà. C'est pas Homer Simpson, hein, mais s'y est presque. Allez, on rentre à la baraque, parce que quand même, ce serait dommage. Salut, Nous, comment tu vas? Congèle. Ah, mince! Wouah, c'est pas grave. Une autre fois. Mais je pars pas avec toute la smala. Qu'est-ce qu'ils me font? Ils sont bourrés. Ça n'a toujours pas mis à jour la maison, c'est pas grave. Mais non, mais on y va, on est tout seul comme des grands. Allez, ma petite pulcote, c'est bon, t'es rentrée. Tu peux aller faire un gros pipi. Tu pourras te laver aussi. Putain, la douche est dégueulasse. C'est quoi, c'est...
C'est de famille de gros dégueux. Alors toi, t'es... D'accord. T'as pris toi... toi, elle va bien, elle. Demander du réconfort. Oh, Bichette! Petite poupoule! Ma petite perlouse! Oh, maman! Je veux du réconfort, maman! Je suis triste, maman. Oh, choupi! Petite choupie, faire un câlin. Passer un savon, non, bah ça, elle a rien fait la gosse. Elle va pas l'engueuler, non. Ils vont traîner en pyjama toute la journée. Oh, le câlin! Le câlin avec maman! Maman! Oh, et lui, il pleure sous la douche, non mais. Puis, on va pouvoir le lancer dans sa carrière, hein, quand même. Qu'on n'aurait pas tout fait ça pour rien. Ah, oh, c'est gentil, Nose, merci. D'accord. Bon, dès que je la mets sur ma galerie, je t'attends. Oui, pas de soucis, Céline. J'ai acheté au fusil de froid avec. Ah oui, Quentin? Ah, oh, c'est gentil. Je ne vous quitte, les avantages sont grave cool sur le ce qui fait gagner des points de compétences. Ouais, faudrait que j'essaye en petit let's play. On pourrait essayer ça en live. Hein. En fait, j'aurais voulu live mardi, puis je l'ai pas fait hier, j'étais pas là. Demain, on verra dans quel état je suis. Voilà, je promets rien, on verra bien si je suis. Si je suis bien ou pas pour live demain. C'est justement ce que je n'aime pas, c'est déjà trop facile. Oui, non mais après voilà, je sais très bien que moi, par exemple, dans mes, si je dois faire un challenge ou bah, de toute façon, je fais toujours des challenges, je n'utiliserai pas les avantages de la micro-maison, tu vois. Du moins, je ferai en sorte d'avoir la micro-maison pour avoir les 32 carreaux, par exemple. Et après, j'enlève et je mets juste résidentiel. Je pense que c'est le mec pleure sur la douche, c'est une expression. Mais si, regarde, Pulcote, il pleure, lui. Il assume. Bon, tu te dépêches ou quoi, là? Oh, mon Dieu, c'est trop dur, la vie. C'est trop dur, la vie. Faut que je me shampouine, en plus, imaginez. Ouais. Après, faut que tu fasses du sport, là, parce que c'est plus possible. Et que... J'allais oublier. Faut quand même faire des voyages dans l'espace, là. Pas tout ça, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à faire encore. Hein. Vous savez, moi je me repose sur mes lauriers là, ça y est, on a eu le diplôme. Regardez-moi ça, cursus physique moyenne de A. Oh là 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 là, magnifique. You are the best. On est quand même 8 en bricolage, on doit atteindre le 10. On m'a déjà 10 en physiologie, mais on doit continuer à voyager en l'espace. Et la logique, on est à peine à 6, mais c'est déjà pas mal. Oh! Bah c'est Coquelicot maintenant qui a rendu l'âme. La sœur de Bordeaux. Sa tati. Bon bah il est pas prêt de d'aller mieux, moi je vous le dis. Hein. Tu vas servir le dîner, des tacos au tofu, hein. Ah, oh, ça va être bien, tiens, ils vont tous faire la gueule, hein, encore une fois, pendant 2 jours là. T'as des petites aigreurs d'estomac, ma petite natte. Deuxième trimestre dans 5 heures, on a le temps, hein. Et la morpale là? Ouais, ça va. T'as parlé à ta sœur? Qu'est-ce que c'est? Parler? Qu'est-ce que c'est? Parler? Que tu fasses la tronche. Parce que t'es plus une. Merci, Maïvette, pour ton follow. T'es plus... Tu fasses la tronche parce que t'es plus la seule et unique fille de cette génération. Pourquoi la gamine, j'ai l'impression qu'elle a une moustache? Ouais, pour moi, elle a une moustache, la gosse. Je suis désolée. La puberté n'est pas encore là. Elle a déjà de la moustache, regardez! Elle a de la moustache! C'est grave, quand même. Et voilà! T'as fait pleurer la gamine! Saleté! Allez, viens, maman! Viens, maman! Il y a Nuage qui est en train de chialer. Bon, lui, il mange, c'est bien. Ok, on va remettre ça au frigo. Divertissement. Bah, va regarder la télé pendant ce temps-là, mon petit. Prends ton assiette et va manger devant la télé. Ce sera bien. Salut, Maïvette! RIP Coquelicot, bah ouais, c'est ça. Ça y est, elle est mortadelle aussi, celle-là.
C'est grave rapide, genre mon cible, ça a pris 7 niveaux de peinture en 2 jours quand on veut faire plusieurs assurations. Ah, punaise! Attendez, on va changer de maison, on va faire une micro-maison pour Pulco. Non, mais c'est vrai que c'est un peu cheaté, je le ferai pas dans les challenges. Il risque pas de nous tomber en cloque d'un extraterrestre en allant dans l'espace. Je n'espère pas, Sianana, vraiment. Là, je ne veux pas. Brodo, ensuite Coquelicot. Eh oui, ça y est. Ça y est, mon petit diplôme là, mon petit Pulcote, bravo. Ouais, la génération rouge est vraiment partie. Oh, attendez, oh, la tronche qu'il a dessus, par contre, c'est à mourir de rire. On va le mettre là. Là, il y a un bel espace pour mettre sa tronche. Ah, oh, qu'il est beau, le lavabo. Qu'il est beau, le Pulco. Oh, trop choupi. On va mettre un cadre noir, c'est très bien, voilà. Ça, là, c'est sûr, on aura un souvenir de notre Pulcote. C'est bon, tu t'es remonté le divertissement, là? Est-ce que tu veux bien aller en fusée? Attends, améliorer. Continue à installer. Y a pas toutes les améliorations de faites. Bon, maintenant on est à fond. Je sais, faut que je lui fasse prendre son travail. Il est jeudi. On va lui laisser encore un peu de temps, là. Oh, la bichette! Mais pourquoi elle pleure encore, elle? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Nathalie! Tu sais pas t'occuper de ta gosse ou quoi? Pas compliqué, non? Même dans la préhistoire, ils n'avaient pas besoin d'un diplôme pour s'occuper de leur mioche. Alors. Mais oui, c'est les Simpsons Echo Plus vu qu'ils sont jaunes, j'avais pas compris. Quoi? C'est vrai qu'on dirait une moustache. D'accord, on est d'accord, nous. Voilà, la petite, elle a déjà de la moustache. T'imagines l'angoisse quand elle va être ado, celle-là. Il n'y a pas de moustache pour les filles. C'est vrai qu'on peut pas mettre de moustache pour les filles, je suis tristesse. Je voudrais que je trouve un CC moustache. Ouais. Jure. Jure les gens. Il faut que j'essaie de trouver un petit duvet, vous savez. Un truc un peu dégueulasse, quoi. Pour Perle, quand elle sera ado, je lui mettrai. Et on ira chez l'esthéticienne lui faire enlever sa moustache. C'est long d'élève, la pauvre. Ah non, elle a une moustache. Non, mais. Cadre noir pour prendre la photo des funérailles. Oh, ça, on a le temps, hein. Puis le cote, il a le temps encore, hein, le choupi là. Après, il va partir sur la lune en fromage, hein, évidemment. Par contre, le lit escamotable, il est en panne toutes les nuits, c'est un relou. Ah! Bah, j'allais dire un truc, mais heureusement que c'est pas sorti. Non, et puis là, on n'aura pas besoin, je pense. Peut-être dans cette chambre-là. Parce qu'elle est un peu petite. Ça peut le faire pour après, on verra. Hein, qu'on a trois gosses. Mais elle est repartie dormir, elle, feignasse. Alors? Oh là là, la vie est dure. Il manque qu'elle accouche, comme ça, elle sera contente. Bon feu de cheminée. Deuxième trimestre en 2 heures. On n'avance absolument pas, c'est infernal. Coucou Marie, comment tu vas? J'ai cru naïvement que le wifi a marché. Le dernier des Adams, c'est une moustache et il est stylé. Je sais pas. La pauvre. Je vous jure, je trouverai ça. Parce que ça doit exister. Ça doit exister. Les CC pour filles à moustache. Je vais trouver. On va rigoler. Ça va être rigolo. Oh là là. Je serai la première à faire une. Enfin, sauf la personne qui aura créé le CC. Mais la première à faire une Sims à moustache. La lune en fromage, personne n'a jamais la ref quand je la tente. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais que c'est un vieux truc, hein, mais je sais que c'est connu. Ah ça, t'es en week-end, Marie? Coquine. C'est bon, elle se douche. Amélioration terminée. Ah, Pulcote! Pulcote, t'as terminé! Améliorer. Il y a encore quelque chose! Allez, vas-y, on s'en fout. Il va peut-être pas commencer à travailler maintenant, parce qu'on va lui faire faire vraiment toutes les améliorations possibles sur la fusée, quoi. Comme ça, c'est fait. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas pas tomber dans les pommes. Oh, t'as fini de manger! Regardez comme elle est contente! Regardez comme elle est contente! Ah, j'ai fini de manger avec sa moustache, là. Elle est magnifique avec sa moustache, cette gosse.
La gamine à moustache! La seule bambine dans les Sims 4 à avoir de la moustache! C'est elle, c'est Perle, et c'est ici, et rien qu'ici que vous pourrez l'apprécier. J'espère que vous savez à quel point c'est du coup un avantage. Alors, Patrick. Ouais, Patrick. Non, Nathalie. Patricia. J'allais l'appeler Patricia. Ah! Tu te réveilles, toi, qu'est-ce que tu veux? Tiens, va lui parler. Va la serrer dans tes bras, va la dodeliner. Oh, niveau 6 de l'éducation! Braval! Tu vas la faire pleurer? Je suis sûre qu'au moment où tu iras te coucher, elle va se réveiller. Alors, troisième trimestre en 24 heures. Donc, nous sommes à 22 heures. Dans 2 jours, Sims. Jeudi 22, 23 heures. Samedi 22 heures, nous aurons le troisième et dernier bébé de cette génération. Du moins, je l'espère. Et lui aussi. La lune en fromage, ça me fait penser aux zinzins de l'espace. Ah, ça me dit quelque chose, les zinzins de l'espace. De voilà ces gros mythes. Mais je crois que c'est encore plus vieux que ça, non? C'est la dernière générateur de trous verts, je crois. Ah, d'accord, très bien. Je vais prendre ma douche. Ok, Bubble Town, lève-toi bien comme il faut. Dans tous les recoins. Ça va. Doudou, il dort. On bouffe bébé. Avec les trucs qui traînent comme ça. Faudrait quand même que je fasse... Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Oh, on va coder votre jeu correctement, bon sang. Faudrait qu'il y a... que je fasse un petit abri pour avoir la... La salle de... Oh, la gamine, elle pleure, je le savais. Je savais qu'elle allait chialer. Tais-toi. Il y a nuage qui pleure, c'est l'orage. Eh, orage pourrait être un bon prénom aussi avec nuage. Bon, c'est un peu redondant, mais... Mais, ah, elle a chié en plus en même temps, celle de sa douter. Parce que quand c'est très très gris, c'est orageux. Merci Luna pour le follow et bienvenue à toi. T'es chiante, Nathalie, là. Oh, 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 c'est difficile de mourir. Enfin, elle sait pas, elle. Parce qu'elle est encore bien vivante, hein. Puis elle peut pas mourir, elle est immunisée pour l'instant. Voilà. Allez, bichon. Ça va bien se passer. T'es fatigué? Ouais, il y a à peine minuit, dis. T'es une poule ou t'es pas une poule? Non, ouais. Il y a eu des émotions ces derniers jours, le chou, là. Je vais attendre qu'il soit à peu près à la moitié. Puis il ira se coucher. Ouais, parce que j'ai un cœur, quand même. Orage au désespoir. Je sors. Mais non, mais c'est bien, c'est ça. Le prochain, c'est Minnie ou Mickey. Ah oh bah ouais, mais c'est rigolo quand t'en as deux. Que si y en a un que c'est Minnie, bah tu dis l'autre c'est Mickey, c'est logique. Mais déjà, ça sera pas des jumeaux. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. J'ai pas été voir dans le MC Cohen Center, mais j'ai pas envie que ce soit des jumeaux. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder, toi? Oh punaise. Casse pure. Oh. Quel relou. C'est les gamines, hein, elles sont chiantes. Et puis, on verra bien. Orage, c'est bien, ça va pour les deux. Nuage et orage. Il y a une mort dans mini-maison avec le lit escamotable. Oui, je sais, Quentin. Il n'y a que moi qui n'ai pas réussi à faire mourir mon Sims avec comme ça. Tout le monde a réussi, sauf moi. J'en ai marre de moi. Je reviens avec mon poussière. J'adore orange, orange. Orange ou orage? Putain, mais attendez, je ferme un truc parce que là ça arrête pas de revenir. C'est un petit peu relou. Ouais. Bon, Pulcote, attention à ce que tu fais. Orage au désespoir. Salut maman grenouille, comment tu vas? Pas de soucis, Alexa. Eh, d'ailleurs, ça y est, t'as la moitié. Allez. Viens te coucher. Tu l'as bien mérité. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Mais couche-toi, dors! Pourquoi tu... T'as des crampes, t'as des insomnies, il se passe quelque chose?
là. T'as encore combien de temps? 15 heures. Bon. Bah, en fait, c'est ça, la mort de sa mère, c'est pas la mort de sa tata hein, qui le. Ça a rien fait. En même temps, les coquelicots, ils meurent très souvent, donc ça. C'est moins grave. Bientôt mieux, ça prouve que t'es pas comme tout le monde. De quoi? Que je suis pas comme tout le monde? Si, je suis banal. Non, je suis pas banal. On n'est jamais banal. Enfin, si, il y en a qui le sont plus que d'autres, sur un certain domaine. Mais je pense que dans l'ensemble, on a toujours une particularité qui fait qu'on est original. Après, il faut trouver dans quel domaine, en fait. Moi, nuage là. Ah bah voilà. Nuage, allez, je... Oh non, elle a les yeux marrons. Ce sera pas l'héritière non plus, celle-là. Allez, 1, 2, 3. Curieuse. Bon. J'aime pas les yeux marrons. Bon, c'est la copie de sa sœur, donc pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chanson. Mais la différence, c'est qu'elle ne s'appelle pas pareil, c'est la même. Même gamine. Je suis en train de tourner, ce que je l'ai dit, j'ai bien laissé un miroir dans le coin, là, quand même. Non? Est-ce que j'ai laissé un miroir dans une salle d'eau? Ça me semblerait logique. Oh putain. Et elle chiale en plus, cette saleté. Non, je n'ai pas de miroir. Commence pas! Je peux pas la relooker encore. Saleté. Déception. Ces gamines me déçoivent à un point, vous n'imaginez même pas. Coquelicot trépassé, ouais. On est unique comme tout le monde. Coquelicot fané. T'as quoi contre les yeux marrons? Mais j'aime pas, je trouve ça moche. Mais j'en ai, hein, c'est pour ça que j'aime pas les yeux marrons. C'est parce que j'ai les yeux marrons. Avant que les gens me disent... T'aimes pas mes yeux? Non, parce que j'ai des yeux marrons, donc je me permets de dire que j'aime pas. Mais tais-toi! Oh! Va dégage! Va pas! Dégage! Tiens, tu rêves tes parents, ton... Pourriture! Ouais, va pisser, toi. Allez, va prendre la saleté, là. J'ai toujours la violence dans mes mots. Oh, Calice Neige, merci pour ton abonnement sur YouTube. Voilà, tu l'as bien. Et ben, tu vas la descendre. Voilà. Oh, la déception, cette gosse. Les yeux marrons. Blah. Je suis tristesse. Tu vas servir le petit déj. Alors, s'il te plaît, ne crame pas la gazinière. Tu seras mignonne, hein. Voilà. Et elle... Elle, elle est curieuse, donc c'est-à-dire que bah, tu vas faire des qu'est-ce que c'est partout pendant ce temps-là. Ça va t'occuper. Ça, tu peux rien faire avec. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a un clair manque de, ah, de rigueur au niveau de la propreté, hein, on est d'accord. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez comme il est beau le pulcote! Je sais, je l'ai déjà dit. Oh, qu'il est beau! C'est le plus beau des lavabos. Ou des pulcots. Ça, la gosse. Elle va déambuler pendant ce temps-là. Une très très bonne ménagère, hein? Alors, déjà, tu nous fais des gamins avec des yeux marrons. Mais sur les Sims, on a souvent la même chose. Alors, attends, quoi? Tu les aimes bien mon entrée. Oui, je sais, Alexa, mais je regardais si j'y avais à l'étage, justement, j'en ai pas mis. Tu viens de traumatiser mes enfants en criant comme ça. Si je me traumatise moi-même. Ah, alors, ma petite maman grenouille, est-ce que tu aimes le kit mini-maison? C'est commun, mais c'est bien. Bof. Ma collègue polonaise m'a dit qu'en Pologne, c'était super beau vu que l'intégralité de la population avait les yeux bleus. La chance d'avoir les yeux bleus. Du moins, tout sauf marron, quoi. J'adore. Bah, tant mieux.
Et je coule sur mes larmes. Mais non. Ah, il faut pour tous les goûts, tu vois. Moi, je suis pas fan des yeux marrons. C'est comme ça arrive. Regarde, elle est fadasse. C'est ce que c'est fade. Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors déjà, tu peux aller manger. Après, tu regarderas la télé en même temps. Et après, tu iras te laver. Tu vois, ça te fait un programme, mon petit. Un bon programme, Pulcote. Après, tu iras faire un tour dans l'espace. Tu finiras aussi de faire... Qu'est-ce qu'elle a, chialé? Oh, c'est gosse. Oh nana, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Si vous avez la ref là, vous êtes fort. Voilà. On va aller à l'autre bout de la maison pour manger. Tu vas regarder aussi, tiens. Papa et petite fille, pour l'instant, en plus, c'est que non seulement les yeux marrons, bon, c'est une chose, mais elle a les cheveux comme son père. Donc en fait, c'est vraiment comme sa sœur. C'est la copie conforme du père. Bon bah. Je voulais faire une photo, idiot. Oh là, t'as fait quoi avec ton bras? Tu me fais peur. Et elle, est-ce qu'elle a de la moustache? Un petit peu quand même, hein. Regardez! Là, on voit pas. Oh, elle est trop choupie. Est-ce que t'as de la moustache, nuage? Qu'on sache si toi aussi tu dois passer par la case esthéticienne quand tu seras adolescente. Fais le ménage, toi, rends-toi utile. Faut toujours qu'il y a un Sims qui est. J'ai focus dessus pour taper dessus, vous voyez? Et c'est toujours la pièce rapportée, vous avez pas remarqué un peu? J'ai raté sa remise de diplôme, oui! C'est ça. C'est ça. Tu as tout raté, Marie. Désolé, j'ai les yeux marrons. Ah, mais. Ah, oh, Céline! Marron vert! Oh, c'est joli, les marrons verts. Coucou, Anaïs! Bienvenue sur Twitch! Tu verras. C'est sympa. Ah, bah voilà, elle s'endort. Ah, et puis elle va se pisser dessus. Ah, oh, bah, elle va nous faire une combo! Une combo de la mort! Qu'est-ce qu'elle... Alors, elle va faire quoi? Ah, oui, remarque. Pulcote! Va te laver, Pulcote, ça y est. Va prendre ta douche. Ce sera plus rapide. Et tu iras continuer d'améliorer la génératrice de trous de ver, s'il te plaise. Et après, on te fera faire un tour dans l'espace. Ah, la bichette! Attends, la... Oh non, 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 non! Ne fais pas caca dans ta couche! Je me disais, il y avait bien un pot. Nuage. C'est trop tard, hein, mais... En tout cas, vous avez remarqué qu'elle est habillée comme à la mode de son père. Jaune et blanc. Avec les cheveux de son père et les yeux de son père. C'est des clones. C'est des clones de Pulcote. Eh, va pleurer. Encore combien de temps? 5 heures. Allez. On sera tranquille. Oh, j'ai réussi à lui faire aller sur le pot. Oh là là. Bon, il y a de fortes chances qu'elle s'endorme dans sa propre pisse, hein, parce qu'elle va en mettre partout. Sur le sol et elle va s'évanouir dedans. Elle est kiki, oui. Ok, Trépunia, à plus. T'as commencé il y a combien de temps le live? Un petit peu avant 19 h. Comme j'étais pas là, j'avais un rendez-vous, hein, chez le vétérinaire, donc il a fallu le temps que je revienne. Dû manger. Ah bah c'est bien, tu vas te prendre une portion. C'est très bien ma petite perlouse. Ça perlouse. Maman, faut... Ah, il faut un lit! Il faut un lit! Oh punaise, pile quand elle se relève. Il faut un lit! Il faut que je fasse la chambre. Alors, est-ce que vous allez me trouver horrible si je mets la chambre de la petite là? Non, je vais la mettre là et puis le bébé va aller là. On va faire un petit peu rapidement. Très rapidement. Thank you.
On a emménagé rapidement une petite chambre. Voilà. Et Nathalie, tu vas mettre le bambin au lit, tu vas la mettre elle. Pourquoi j'ai encore la... Ils vont encore me dire qu'elle a grandi alors que ça fait déjà... Ouais, voilà. Ils l'ont refait genre comme si elle avait popé alors que... Voilà. Ça m'arrive souvent, ça. Elle avait déjà vieilli et puis ils me disent « Oh, bah, elle a encore vieilli !» Oui, en fait, je sais. Voilà, comme ça, elle va la coucher. Et ta petite sœur. Par contre, toi, tu vas avoir besoin qu'on te lave les fesses. Hein. Lui, il fait quoi? Il est sur sa fusée. Ok, je le laisse faire. Donc, Nathalie... Oh, punaise, le chiotte, il était que... Ben, tu vas nettoyer ça et puis tu vas l'utiliser. Il naît dans combien de temps, troisième? On a encore un peu de temps. Troisième trimestre dans 8 heures. On a encore pas mal, beaucoup, beaucoup de temps, je pense, oui. C'est le vent... Samedi, 22h. Voilà, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Dans quelques mois, j'ai pas encore à la fac. Personne n'est mort. Je vais jouer. Tu l'as toujours pas réussi à le prendre, Marie? J'espère que je n'attendais pas trop longtemps quand même. Ah, profitant pour... J'avais pas vu, hein, grenouille. C'est pas faux. Je pourrais mettre, sachant que... Parce qu'en fait, j'ai pas mis de lavabo. C'est pour ça. La petite, elle dort. Super. Elle fait quoi, là, l'autre gamine, là? Elle est où? Elle est partie voir papa. Ma petite Nathalie Jolie. Bah, c'est son nom, hein. Tu vas aller donner un bain à Perle, du coup. Voilà. On va donner un bain à Perlouse. Et on va mettre des miroirs. Peut-être pas dans les salles de bain, mais au moins dans la chambre. Au moins à l'étage, quoi. Qu'il y ait un miroir. Je vais reprendre le miroir. Parce que je l'adore, celui-là. Voilà. Je l'aime tellement, ce miroir. Il fait décoration. Tac, tac, tac. On peut le mettre dans le couloir, quoi. Ça peut être tellement joli, genre là. Oh, en gris. Voilà, c'est super. C'est super de la mort. Et tac, voilà. Ah bah, elle a été téléportée ici. Non mais, cocotte. Viens, regarde, genre. Oh. En fait, oh, je viens d'avoir... Vous savez, le John Travolta, là. Quand il est dans, je sais plus quel film, là, où il fait... que c'est devenu un mème, le truc. Bah, en fait, c'est ce que font les Sims quand ils ne savent pas où ils, ce qu'ils font. Ils sont comme ça. Ils font la même chose. Eh bien, on va te laver les fesses. Perlounette. Oh, lui, pue, hein. Mais t'es... Tant que ça, Pulco, c'est tellement physique que ça de taper sur une fusée. Merci chérie Savan pour le follow, bienvenue à toi. Mais pouf, ça lui a éclaté à la tronche. Faut me faire patienter, je me dis toujours une nouvelle génération par nouveau pack. Ah bon? Chaque descendance profite de la nouveauté. Ah, pas mal. C'est pas bien comme idée. Je n'ai pas de wifi correct. Je vais essayer de la faire fonctionner demain, au pire, je vais demander à monsieur. Et tu peux pas te connecter au taf, tu... Ah oui, non, parce que c'est ton PC, c'est pas un PC portable, c'est vrai. J'ai rien dit. La maison a changé, tu as fait une nouvelle maison. Ou des grandes modifications en tout cas. Ben ami, tu n'as pas regardé les derniers épisodes. On a déménagé. Mais si, il me semble que t'as regardé. On a déménagé, on habite à Windenburg et on a pris la maison cottage que j'avais faite en fait hein, pour le... Comment ça s'appelle? Pour le calendrier de l'Avent. Et du coup, on habite dedans. Voilà, j'ai fait. J'ai changé, j'ai fait. Pourquoi il y a ça encore? Ça me fait peur, moi. Ça me fait peur, là. Pourquoi j'ai un deuxième berceau? Je l'ai pas copié-collé, quand même, parce que quand j'ai mis le truc ici, il n'y avait pas le berceau. Je suis pas assez à ce point débile. Vous n'êtes pas en train de me dire qu'on va avoir des jumeaux, parce que là, je pète un câble.
Mais là, la dernière fois, vous aviez que le son. Là, vous aurez l'image. Non. Quand même, non. Faut pas me faire ça. Ça y est, ils sont plus en deuil. Oh, quel bonheur. Mais il y avait à manger là, hein. Boustiflore, là. Ouais. Comment il va, Pulcote? Pulcote, il craque. Il est dégueulasse. Elle va te laver. Oh, te laver, tu pues. Oh là là, par contre lui... Ah non, c'est bon. C'est bon, 5 minutes. On va être tranquille. Et après, tu vas explorer l'espace, mon petit. Mais... Reste dans ta touche. Lave-toi les fesses, les extraterrestres, ils vont se demander pourquoi tu pues. Alors... Mon père et ma belle... Ma belle-mère, je m'imagine. On a acheté un amplificateur de Wi-Fi, ce serait peut-être une solution pour toi. Pulp Fiction, ouais, c'est ça, c'est dans Pulp Fiction. Salut, la lumière. Vilaine amie, c'est de l'humour. Je l'ai vu, c'est vrai, j'avais zappé. Non, mais pas. Non, mais ce qui me semblait, c'était qu'elle avait mis un commentaire. C'est pour ça que ça me semblait bizarre. Salut Elisa, comment tu vas? C'est le fantôme de la maison. J'avais commenté la maison. Mais oui, c'est pour ça. Je me suis dit, mais attends. Je sais bien. J'ai pas beaucoup de commentaires sur le Ugly. Sur notre Sobéry, donc d'autant plus, je me souviens quand même à peu près des personnes qui passent, tu vois. C'est pour ça que j'ai bloqué, je me suis dit, mais attends, mais si tu l'as vu l'épisode. J'aurais bien voulu voir la tête de la Jean quand elle avait les jumeaux sur Deckhead. Bah, je devais être comme ça. Oh, voilà, à peu près, je sais pas, je me filme pas. Regardez, c'est SimCity ça. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à SimCity. Ça vous dirait qu'on fasse du SimCity en live ou pas? Alors, les enfants, la semaine prochaine, je vous redis... Bon, on s'en fout, le YouTube s'en fout, mais comme ça, vous serez au courant de ma vie si vous regardez. Ah, c'est bien. Tu vas faire un petit pipi aussi, tiens. La semaine prochaine, je commence ma formation. Et je ne sais pas encore à quelle heure je finirai le soir. Donc, je vous tiendrai au courant quand je le saurai, c'est-à-dire au moins lundi, voire mardi, pour qu'on sache à quelle heure je vous donnerai rendez-vous pour les lives, quoi. Parce que là, je sais pas. Je sais pas du tout encore. Je sais que lundi, j'ai ma rentrée. Parce que oui, j'ai ma rentrée. Hein. J'ai même une liste de fournitures à acheter. Perdue dans une nébuleuse. Les instruments de Pulco se détraquent et sa fusée est plongée dans une lumière violette. La meilleure lumière possible, quoi. De la poussière mauve et dorée. Oh, recouvre le ciel à perte de vue. C'est-à-dire, pas très loin. Il a dû dériver dans une nébuleuse géante. Pulco peut appeler à l'aide ou continuer à avancer en espérant que ses instruments de la fusée lui permettent de sortir de là. Envoyez un message de détresse, continuez à avancer. Ah, je ne sais point. Bon, alors moi, j'envoie un message de détresse. Allez, je ne sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle va monter. J'ai cru qu'elle allait aller dehors. Toi, ça va? Alors, un vaisseau plein de nébuleuses intentions. Quel jeu de mots. Quelqu'un reçoit l'appel de détresse de Pulco et affirme se trouver à proximité. Quelques minutes plus tard, un gros vaisseau de combat délabré émerge de la lumière de la nébuleuse. « Suivez-nous, jeune Sim !» dit une voix basse et reptilienne par l'intermédiaire du système de communication. Pulco doit-il suivre le vaisseau? Suivre le vaisseau? Y aller seul? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit le vaisseau ou est-ce qu'on y va seul? Parce que... Je sais pas. En fait, j'ai très peu fait les vaisseaux, enfin les... L'espace et tout ça, donc en fait, je sais pas. Le 1, on suit le vaisseau? Allez. Quelle ça va, elle s'occupe. Qu'est-ce que tu fais? Lire pour l'enfant? Jouer la poupée. Mais tu lis pour l'enfant? Tu lis pas pour l'enfant? Pirates de l'espace! Les reptiliens! Ça, c'est... Tous les hommes politiques sont reptiliens, on le sait. Guide Pulco en dehors de la nébuleuse, mais entreprennent ensuite d'embarquer dans sa fusée. Ah! Deux imposants iguanoïdes... Oui, je fais bien la langue. Ouvre et... Ouvre la trappe et fouille ses affaires. Apparemment, Pulco ne possède rien qui ait de la valeur à leurs yeux. Ils détruisent quelques panneaux et laissent Pulco et ses appareils cassés. Merci! Hein? Merci, hein. Franchement, vous êtes sympa. Hein. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ces abonnés-là qui me font faire des choix de merde? C'est les stylos avec des odeurs de fruits. J'en ai un que j'ai depuis des années et il sent encore la banane. C'est un fluo, d'ailleurs. C'est un truc...
Revoilà Pulcote. Il est là. Il sent la banane. Ah, il est rentré sain et sauf. Alors, qu'est-ce que ça raconte, amélioré? Continue à... Mais tu l'avais pas fini? Idiot! Mais je pensais qu'il avait fini, moi! Mais qu'est-ce qu'il est... Je vais y arriver. Ah! 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 Oh! Ah! I! Oh! Partagez la grande nouvelle. Oh, je fais pas de l'aérophagie, hein, cocotte! Oh, elles s'en font la bise, trop mignon. Elle a un goût particulièrement particulier. Essayez de réconforter. Ah bah oui, c'est ta sœur du coup, c'est ça qui est morte. Je sais plus moi. Mais va jouer toi. Qu'est-ce que t'as besoin de... Et la sœur là. Non vas-y, réveille-toi parce que sinon tu vas faire... Réveille-toi nuage. Ne restez pas la tête dans les nuages, nuage. Qu'est-ce qu'on se marre? Tiens, tu vas prévoir... Qu'est-ce que c'est? Tu vas te prévoir une tenue, on va te relooker aussi. C'est bon, toi, tu... Ah bah voilà. Pile, il a fini, qu'on relook sa gosse. Zargamena. Installation... Ah bah ouais, voilà, on a fini. Alors, là, j'allais dire, c'est laquelle? C'est celle-là. Avec ses yeux marrons de... Merde. C'est moche. Bon, pareil, on va lui mettre les cheveux noirs. Histoire de... voilà, c'est à peu près ressemblant. Ah non, on va lui mettre ça. Une mini maison. Ça a des sacrés joues, hein. Punaise, on dirait qu'elle a fait des réserves. Ouais, je vais mettre ça. C'est trop mignon. Si, si, c'est trop mignon. Alors... Il avait fini. Allez dans le trou de verre. Go. Allez. On est fous. Nous, on y est comme ça, là. Adieu, Pulcote. Oh, alors, elle est partie là, la fusée, mais on la voit encore là. Les crapules. À travers le trou de verre, la navette fonce dans le trou de verre et émerge près d'une planète extraterrestre. La radio à bord diffuse une série de bruits étranges et Pulco est soudain téléporté hors de la navette, descendant un halo de lumière. Eh, on est à Sixam là, les enfants. Tenue de fête est moche. Ah oui, c'est sûr. Oh, eh, vous me croyez ou pas, c'est la toute première fois depuis que j'ai le jeu des Sims que je suis sur Sixam. Je n'ai jamais été sur Sixam. Sixam. Sixam, tout court. Oh, regardez ces étoiles. Oh non. C'est une planète, ça? Attendez. Oh, oh. Ah ouais. Il y en a une là aussi. Oh, c'est beau. Je suis jamais allée à Sixam. C'est ma première fois. Je me fais dépuceler de Sixam en direct grâce à vous. Non. C'est un truc à ramasser, ça. Bah, tu vas le ramasser direct, hein, moi je te le dis. Hein. Ouais. Voilà, Pulcote. Tu mets pas ta combi, parce que si on se fait toucher par un alien, je veux pas d'un gamin extraterrestre. Hein. Ça, c'est non merci. Merci, non merci. Une turquoise. Mais pourquoi elle est rouge, ta turquoise? Cette ressource a déjà été récupérée.
Oui, mais pourquoi elle reste là? Et en plus, comme c'est un des objectifs de la génération, je suis bien contente parce que, bah voilà, c'est fait. Eh, hey, mais attendez! Ah, mais en fait, ça bouge! C'est trop beau! Ah, ça fait des bruits! Trop chelou! Ah! Il est vraiment très bizarre cet extraterrestre, hein. Ah ouais, ah là, il y a vraiment un, c'est comment il s'appelle dans Marvel là, enfin celui qui Jim Carrey jouait un personnage. Non, c'est pas avec Marvel, c'est avec Batman. Le mec mystérieux là, Mysterious Big, je sais pas. C'est beau. Ah, c'est la première fois, moi, je vois ça. Et des champis, on peut les... Oh, regardez, ça bouge! On se croirait sur... comment ça s'appelle Avatar, là, la planète d'Avatar. Oh, c'est beau. C'est très chelou, par contre, les racines et tout, que ça bouge à l'intérieur. C'est vivant, quoi. Ça, on voit la vie avec les veines. C'est beau. Oh là là. Je pourrais rester comme ça très longtemps, je pense. C'est quoi cette position, Pulcote? Vas-y, ramasse tout! Attends, on va se faire des popettes en or, là. Ah, ça, c'est une... C'est bientôt anniversaire des Pulcotes! Et on dirait qu'il y a des bestioles qui bougent en plus, mais c'est pas le cas, mais... C'est trop bien fait, je savais pas que ça faisait ça comme effet. Oh, les champis! Ah, il y a ça dans le debug, je savais pas vraiment à quoi c'était... Ah, d'accord. Non, mais Gwen, c'est bon, là. Nous, on est très loin, tu vois. On est dans le cosmos, là. Donc, viens pas nous casser les pieds pour une connerie. Oh, c'est quoi, ça? C'est une plante à God. Une plante à God, à globe. Mon dieu, une plante à God. J'ai eu très peur. Et ça? Une plante fruit à épines. Ok. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Ça a été... Oh! Bonjour madame! Ah, oh, bah elle s'appelle Nathalie aussi celle-là. Oh là là, oh, mais ils sont vraiment chelous, regardez. Ils sont vraiment chelous, hein. Ils ont une peau bizarre, hein, ces gens-là. Pourquoi il y a un mec qui est en slip là-bas? Regardez-moi ça. Ils sont tous le même CC, j'en peux plus. C'est complètement débile. Ils ont tous le même CC sur la tronche, quoi. C'est magnifique. Le même CC qui bug, évidemment. Pourquoi s'embêter avec ça? Il y a plein de trucs à récup. C'est la fête. Ouais. Oh là là, tous les... Waouh. Trop bien. Je sais même pas où je suis, où j'habite, mais c'est pas grave, je c'est beau. Il y a forcément un endroit en dur, non? Il n'y a pas une maison, une connerie comme ça? J'en sais rien, j'ai jamais fait. Et merci Loulou pour l'abonnement YouTube. J'ai faim? Comment ça j'ai faim? T'es en manque de religieuserie. Enigma dans Batman, c'est ça! C'est ça. Il peut pas avoir un enfant maintenant, c'est quand tu te fais enlever. Ah, d'accord, c'est bien. C'est avec le pack au travail, Sixam, ouais. Je suis seule qu'une seule fois. Bah, c'est la première fois, moi. Non, rien. Parce que... Là, il y a tellement... Attendez. Je sais pas où je suis. Ah, et lui. Lui, il est tout nu. Oh, il a une... Non, mais on voit, mec, que t'es pas normal avec tes yeux. T'as trop fumé de cannabis. Pourquoi tu te promènes en slip? Mais au moins, il a pas le gros point d'interrogation sur la tronche. C'est déjà ça. Putain, mais il y a tellement de trucs à récup, là. Attention, touche pas, touche-les pas parce qu'ils vont te violer.
pas pris celui-là. Je vais prendre celui-là. Comment ça, t'as chaud? Bah bon. Bah tu vas te changer. Hein? Tu vas te mettre à moitié nu. Une turquoise. Alors cette fois-ci, on va avoir une turquoise qui va être couleur verte. C'est logique, hein. On peut récupérer les... On va récupérer un échantillon. Un échantillon. Qu'est-ce que... Ah non, là, on peut pas la récupérer le machin. Après, on va récupérer là. Et moi, je récupère tout, hein. Attendez, on va pas y aller toutes les fois, hein. Ah! C'est quoi ces bruits? J'adore les champis, en fait. J'adore ces couleurs, en fait. C'est vraiment typiquement mes couleurs, donc... Merci, Laetitia Léonard, pour l'abonnement YouTube. Ça, en ce moment, c'est un peu la fête, hein, sur YouTube. Je veux pas vous le cacher. Il y a beaucoup. Ça va vite. Good. Ah non, mais c'était pas good, c'était god. C'est pire. Un métal de la mort. Un métal de la mort. Là, il prépare un échantillon. Et en plus, je crois qu'on a un microscope dans l'inventaire de la famille, donc c'est cool. On va pouvoir regarder ça, ça fera des... de la décoration aussi. Ça peut être bien ce que... Voilà, bah, ça fera de la déco dans la maison. Par contre, je sais plus où j'habite, moi. Oh. Pourquoi lui, on peut récolter et les autres, on peut pas récolter les fruits? Une plante à god, j'en peux plus. Ah, on a atterri là, mais il y a plein de trucs. Il y a quand même beaucoup de choses hein, à récupérer. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. En fait, on vient ici que pour récupérer des trucs. Oh, regardez-moi ces fleurs. C'est beaucoup trop mignon. Par contre, il y a des bruits vraiment très chelous. Hein. C'est limite angoissant. Regardez ce ciel. Il fait toujours nuit sur Sixam. Bon là, il est un peu minuit aussi, donc j'avoue que peut-être qu'il y a le soleil, je sais pas. Je sais pas du tout. C'était où les trucs que je voulais récupérer? Ça y est, je sais plus où je suis. Au secours, c'est là. Il y a des trucs là. Là, là. Ok. Là, il y a un truc. Ah non, j'ai déjà pris. C'est très joli quand même. Il a faim maintenant. Oh là là, quelle chochotte. Parce qu'en fait, ça, je les ai mis dans mon château, par exemple. Mais je sais pas si elles font ça dans le château. Ça donnera un peu un truc un peu lugubre, hein, mais pourquoi pas. Hein. Donc, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas d'endroit pour se voir, boire un verre, discuter avec les aliens. Oh, c'est l'effet avec l'eau, là. Attendez. L'effet avec l'eau est ouf. C'est flippant, on dirait qu'il y a une bestiole qui va venir, quoi. Eh, mais c'est bien foutu. Quand même, pour un tout premier, c'était leur tout premier pack d'extension au travail, c'est quand même très joli, hein, ce qu'ils ont réussi à faire. Moi, ça me fait un peu penser à... avec les trucs qui volent, mais ils bougent pas. Ils bougent pas. Ça me fait penser à Monde Magique, du coup, un peu. Attendez, je vais aller voir là-bas ce qui se passe. Moi, j'aime bien aller au-delà des décors. Regardez, il y a des bitonios à l'intérieur. Oh, c'était qu'une façade, il n'y a pas de... Oh, tristesse infinie. C'est joli d'extérieur, mais il n'y a rien. C'est pas une vraie ville, moi je pensais. Hein. Je suis bête encore. Hein. Oh, regardez la planète, comme elle est belle. Attendez. Bon, il n'y en a plus, voilà. La planète a disparu. Pirouette, cacahuète, elle est là et elle est plus là. Pirouette, cacahuète. Putain, j'en dis de la merde quand même. C'est incroyable. Bon, et ben du coup, est-ce qu'on pourrait essayer de discuter avec... Ah, il y en a un truc là. Avec un autochtone. Oh, c'est trop beau! J'aime trop avec les petits machins qui volent comme ça. C'est trop joli! Pourquoi on n'a pas ça sur la planète Terre? J'aime trop, c'est mes couleurs, donc...
Un avion à réaction. Ils sont où les aliens? Ça y est, je les vois plus. Maintenant que je veux leur dire bonjour, ils sont plus là. Qu'est-ce que... Je suis complètement paumée, je sais pas. Ils sont plus là, hein, on est d'accord. Ah, il y en a un là. Flippant. Tu vas pas m'inséminer, hein. On va dire bonjour. On va être chaleureux. Vas-y, Pulcote, viens. Viens dire bonjour à Enigma. Enigma, cow-boy et bleu. Salut, capitaine Ma, merci pour le host. La Terre est plate, enfin la révélation. Oui! Oh, je vais faire une vidéo. Voilà, je vais encore plus buzzer. God, Dieu, donc religieuserie. Non, c'est pas ce God-là dont je pensais, maman grenouille. C'est pas la saison. Si, moi j'ai autre chose, God. C'est ça. Idée de cadeau pour agent, un jouet vibrant. Non, ça ira, merci. C'est une planète plate. C'est une assiette. C'est une assiette. Bah, t'es où? Ah bah non. Ah bah oui, il est fatigué le petit père. Hein. Ah, vous avez vu quand il parle, il a la bouche rouge. Il a les dents rouges. Fais gaffe, Pulco, il va t'arracher la peau, il va te sucer le sang. Regardez ça. Creepy. Il s'appelle comment? Ah bah il s'appelle Oliver en même temps, c'est normal. Partager des photos. Tiens, en fait, regarde. Mais tu vas où? Ça c'est ma fille, ça c'est ma femme. Ah, c'est trop drôle, hein. Ça se mange, par contre, ce qu'il a récolté. S'il le mange, il devient quoi? Il devient bizarre ou pas? Alors ça, j'ai des boules. Géode brut. Ah, bah, je vais appeler Docteur Nozman pour qu'il ouvre les géodes. Les échantillons. Et fleur accro. Croc, crocs. J'ai pas vraiment de fruits. Tu m'apprends. Il n'y a pas de service téléphonique dans la zone. Mais je voulais qu'il prenne une photo! Mais je voulais juste qu'il prenne une photo! Ne peux pas prendre un selfie. Non! Je peux pas prendre de photos! On n'a pas besoin d'avoir internet pour avoir des photos! Et c'est faire, Bouygues! Voilà, je suis tristesse. Je suis tristesse. Bon, on a parlé avec un alien qui nous a pas. Il nous a pas fécondé pour l'instant, donc. Vas-y. C'est trop nul. Voilà. Bon, bah, c'est tout alors. J'ai tout ramassé, moi. Bon, il y a peut-être un ou deux trucs que j'ai pas vu, mais quand même. Bon, bah, voilà, on a été à Six Sam. Je peux rayer ça de la liste des to-do list pour cette génération. Honnêtement, je pensais pas. Ah, ici, il y a un truc là. Je pensais pas y aller aussi rapidement. Hein. Je pensais que ce serait plus galère d'y aller. En fait, il faut juste passer le trou de ver là et puis. Ah! Pour Nozman, ça. On va appeler Docteur Nozman. Loul. Pourquoi tu as ce CC chelou dans... Parce qu'en fait, je l'ai pas enlevé. Faudrait juste que je refasse exprès. Je vais essayer de faire ça peut-être ce soir pour faire pour les trier en fait et l'enlever ceux qui vont pas. C'est un CC qui marche pas. Oui, c'est un CC qui marche pas en fait. Faut juste que je le fasse pour l'enlever et puis. Bon bah écoutez, c'était cool ce petit passage sur cette planète chelouque. Mais il n'y a pas de bar, quoi. On peut pas se poser pour aller boire un coup. Je suis pas passée, là. Si. Bon, il y a un truc qui a poussé. Non, mais c'est pas grave. Il en peut plus, là. Il faut qu'il rentre. Ah, il y a une madame! Bonjour, madame. En plus, elle est violette. Donc, c'est forcément quelqu'un de bien. Mais en fait... Ah, c'est pas... C'était elle qu'on a vue tout à l'heure. Non, mais elle est encore plus chelou parce que... Avec son truc là, avec ses yeux tout noirs, elle a pas de cheveux, mais je pense que c'est une coiffure hein, qui fait que ça bug. Parce que regardez, elle a un crâne trop chelou. Mais
Shabba, ne me contamine pas, s'il te plaît. On va discuter des techniques d'entraînement. Illuminer la journée. Bah, elle a un téléphone, hein, Nathalie. Bon, allez, rentrez chez soi. Ah bah oui, non, on rentre tout seul, hein, s'il te plaît. Non, les extraterrestres, on les laisse où ils sont. On va déjà avoir assez de gamins comme ça. Allez! Attendez! Bah, quand même, faudrait que je fasse une photo de notre ami sur Six-Sam. Je fais n'importe quoi. C'est Guru, chez Guru. Attendez. Voilà, c'est super ça. Avec l'effet et tout derrière, on dirait qu'il vient de vomir une bulle, c'est magnifique. Ah la tronche, j'en peux plus. Bon allez, tant pis. Allez, on retourne chez soi. Chez nous. Sur la planète des Sims. Et il est samedi 5h du matin. Elle n'a pas décroché de son ordinateur, tout va bien. Les gamines, il y en a une qui va pas trop. Mon petit pulcote, qu'est-ce que je vais te faire faire? Tu vas aller au pipi? Tu vas manger un truc rapidement? Est-ce que tu aurais quelque chose sur toi qui pourrait te sustenter? Non. Super. Est-ce que toi, tu as quelque chose sur toi? Non, toi, t'as rien. Toi? Ok, d'accord. Bon, bah, tu vas manger. Enfin, non, tu vas venir faire une sieste avant parce que tu t'es mort. Voilà. Alors, les gosses. D'accord, on arrive, il y en a une qui chiale. Pourquoi? Mais quoi? Faire un grand-parent? Mais t'as vachement de retard, meuf. Ils sont morts il y a longtemps, maintenant. Regarde, tout le monde les a oubliés. Et qu'est-ce que... Elle est chelou, elle. Hein. Voilà, joue à la poupée, ça ira mieux. Hein, les petites biches, les petites grisettes. Et la Nathalie, bah voilà, la Nathalie fait sa life. Hein. Elle troll les forums. Elle cherche des théories du complot. Bah oui, c'est vrai qu'elle est en parano. Ça lui colle plutôt bien. Bon, bah elle va nous mettre bas dans quelques heures. Enfin, vers 22h Sims, hein, évidemment. Bah si ça pue, tu nettoies, Léo. Ouais, d'accord. Ouais. Allez, c'est bien. Allez, c'est bon, tu peux. Voilà, ça c'est bien. Le petit pulcote, il va faire un petit peu, voilà, il va récupérer un peu. On est samedi? On est resté longtemps sur Six Sam? J'ai fini celui que j'ai commencé, je vais le commencer. J'ai mis le gros nounours pour la fille de mes Sims. Oh, c'est trop choupi. Oh, le sang bébé, moi je peux pas. C'est marrant parce que dans l'épisode du Tekken, que vous m'avez tous parlé du sang bébé, je sais pas pourquoi, ça vous est venu comme ça. Oh, le sang bébé! Non mais moi je vais jamais le faire, hein, je vous le dis direct. Et juste parce que c'est trop lassant. Faire des gamins, ça me dérange pas dans les Sims, c'est tout. Et puis bon, voilà, jumeaux ou pas jumeaux, je m'énerve des fois, ça arrive. Mais en fait, le sang bébé, c'est vraiment que ça. Et bah, ça m'intéresse pas en fait. Vraiment. Écoute, va te laver un peu. Tu sais quoi, tu iras laver le sol aussi parce que c'est un peu. Voilà, quand t'as cramé la casinière, c'est un peu abîmé le lino, enfin le carrelage. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Il est marre des poupées! Vas-y, va parler de princesse. Faire des grimaces. Oh là là, mais les relous! Mais pourquoi tu pleures? Voilà. La babille, c'est beaucoup mieux comme ça. Ce sang bébé, ça va être l'enfer. Ah, je comprends pas. Enfin, après, il y en a qui le font. C'est bien. Mais moi, je trouve ça pas intéressant dans le sens, bah, c'est que faire des gamins. Je vois. C'est moins. Ça me motive moins, en fait, que avoir des trucs à débloquer ou à avancer dans le temps ou. Avoir des objectifs particuliers, en fait. Voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse pas. Il y a toujours l'assiette sur la cheminée. Ouais. Ah ouais, mais elle devait le nettoyer, l'autre, là. Mais elle fout rien, hein, dans la baraque, hein. Tu vas nettoyer le pot, hein. Sur la cheminée. Attends, en haut, je pense. Non? Quelle cheminée?
Non, ça va, c'est... Voilà, déjà, ça a pas mal à faire. Ça fera venir le bébé, hein, de faire toutes tes tâches ménagères. Ça va pousser sur l'estomac. Ça va? Bah oui, t'as faim, je sais. C'est bon, mais je t'ai fait dormir un petit peu avant pour que tu te tombes pas la tête dans ton nez dans ton assiette, mon coco. Alors, il n'y a plus l'assiette. Ah, ça va. Je suis totalement d'accord avec toi, bébé. Il y a que ça comme but, c'est pas très intéressant. Ouais, c'est bon. Et pour vous dire, j'ai essayé, hein. En privé, je me suis commencé une partie. Je suis arrivée quoi, au 17-18? D'ailleurs, arrête de pleurer, sérieux, tu me saoules, toi. Oh, va jouer au cube un peu, tiens. En fait, d'ailleurs, pour savoir à combien j'étais exactement, je les appelais 1, 2, 3, 4. Comme ça, je savais que j'avais... Bah voilà, j'étais à combien, mais j'ai pas été très loin parce que ça m'a saoulé. Parce qu'en plus, même si j'étais en vitesse de vie rapide, en fait, vie courte, ça fait que les premiers bébés, les premiers enfants sont morts de vieillesse alors que leur mère était toujours jeune adulte. Finis ton assiette, je t'en prie, mon petit. T'iras dormir après. Mais honnêtement, ça, c'est pas intéressant. C'est pas un truc qui m'intéresse en fait. D'ailleurs, j'ai pas continué parce que j'ai été lassée, quoi. Je veux dire, à part trouver des bonhommes, tu fais un gosse. Voilà. Tu es en train de retard, j'ai validé mon com, tu l'as enlevé dans la foulée. Ah! Excusez-moi, maman grenouille! Pardonnez-moi, très cher. Faudrait le remanier pour qu'il soit plus intéressant. Oui, voilà. Grâce au live et vidéo, je joue aux Sims par procuration. Ah, c'est toujours ça! T'as pas le jeu, Julie? Parce que sinon, après, ça dépend si tu l'as, mais que t'as un PC qui est pas très performant, je peux comprendre et tout. Mais si t'as pas le jeu, il y a moyen de l'avoir pour pas cher si tu voudrais vraiment jouer avec, en fait. Si tu avais une bonne machine et tout ça. Parce que franchement, c'est cool, quoi, les Sims. Franchement. Moi, j'ai toujours joué aux Sims depuis que ça existe. J'ai joué aux Sims 1, aux Sims 2, aux Sims 3 et aux Sims 4. Tu es pardonné. Merci, très cher. Bah, je pense que pour le sans bébé, si je dis pas de bêtises, c'est qu'à un moment donné, tu peux faire grandir les enfants assez rapidement quand ils ont 3 dans chaque compétence, quand ils sont bambins, quand ils ont un à l'école et tout, tu vois. Mais même, le challenge n'est pas non plus très très waouh quoi. Mais bon, je respecte, hein, vous avez envie de jouer et de le faire. Par contre, ceux qui le font et qui le refont encore après ou plusieurs fois, là, je me dis. C'est une passion. Mais tant mieux, hein, il en faut, hein, mais moi je. Ouf. Non, le sang bébé, ça m'intéresse pas. Je pense que tout cumulé, j'ai dû en faire pas mal de gamins, hein, de bonnes centaines. Hein. Entre. Ça, je ferai le compte de toute façon à la fin du décade, combien de gamins, hein, combien il y a eu de naissances, tout ça. Ça pourrait être rigolo. 75! Ah oui, quand même! La vache! Et tu te lasses pas au bout de 75 quand même, c'est énorme! Salut Elisa, à bientôt! Non, j'ai pas, mais mon PC est trop lent pour jouer à n'importe quel jeu. Ah oui, c'est dommage, Julie, ouais. Je compatis. Ah, il faut avoir une bonne machine parce que les Sims restent gourmands quand même. Ah, elle aime pas les aliens. Ça va, mon petit pull-cotte? Hein, il va être 11h, on te laisse encore un peu dormir. J'attends que tu sois au moins à la moitié, puis je te réveille. Hein. Et elle est en train de jouer avec sa fille. Elle grandit quand, Perlouse? Bon, pas longtemps, dans un jour. Oh, cool. La petite à moustache va arriver. Faut que j'aie son CC moustache avant l'adolescence, parce que sinon c'est pas drôle. Je joue aux Sims aussi depuis les Sims 1. Ah oui. On est pas mal à jouer aux Sims depuis les Sims 1. Après, enfin, je me souviens que c'était vraiment. C'était ma soeur et mon beau-frère qui les avaient. Et c'était affreux, enfin c'était affreux. C'était cool, mais il n'y avait jamais de jour de repos, ils travaillaient tous les jours. Les gamins, tu faisais deux bisous, t'avais une truc. Et si on avait un enfant, tu cliquais sur oui, ça faisait un berceau qui apparaissait comme ça de nulle part. C'était rigolo. Parce que c'était tellement pas réaliste par rapport à aujourd'hui. Bon, déjà, ça c'est pas réaliste non plus, mais je veux dire, c'est rigolo quoi. C'est bien! Mais c'est vrai qu'elle a un petit air asiate, hein, comme ça, la petite nuage. C'est trop mignon!
C'est mignon, elle lui apprend à manger. Elle lui apprend à parler toute seule. Alors, c'est quoi? Nous aussi, on va... Alors, vous voulez apprendre le simlish? Ah, c'est un toilette! Ah, c'est devenu un lit. Alors, comment ça s'appelle? Un lit? Zekopoy? Zekopoy? Brosse à dents, après, j'ai vu. Ça se dit? Keneya Wombosi. Keneya Wombosi. T'as compris? Ce gros plan de la mort. Bon, elle a pas trop de moustache, elle. Choupi. Un bibi. Shujubin. On apprend le simlish avec eux ici, hein. Brosse à dents, j'ai oublié déjà. Yewambosi, c'est ça. Oh là là, bon, j'ai trop appris pour aujourd'hui. Alors, la petite perlouse, tu vas aller me faire un petit pipi sur le pot, s'il te plaise. Voilà, parce qu'elle, elle en a... j'en ai marre des mots. Oh, elle doit pisser aussi. Elle doit pisser aussi. Maman, tu vas t'en occuper. Bon, maman aussi, elle doit pisser. Non, mais... Allez, tout le monde au pipi. Et puis, tu mettras la... sur le pot nuage. Tu vas te réveiller, Pulcott. Parce que... Tu as fait une grosse nuit, là, mon petit. Alors, tu vas me faire une petite douche. Alors, attends. Mieux. Tu vas me faire une douche tonifiante. Ça, tu iras faire du sport après. Ah, ça va, il fait beau. Je vais lui faire faire du sport au petit là. Hop. Entraînement énergisé. Et entraînement énergisé. Je n'ai pas encore fait trouver le travail, ne vous inquiétez pas. Ce sera fait. De toute façon, comme ça, il commencera le lundi. Je vais lui faire trouver son travail après. Allez, Pulcott! Fais revenir les abdominaux, là. Ils sont partis sur Six Sam. On les a pas retrouvés. Hein. Ouais, n'accepte pas Origine. Donc, bref, je dois pour l'acheter en magasin sans être sûr qu'il fonctionne. Si, ça doit... si, si, ça fonctionne, forcément. Faut juste quand même avoir Origine parce que tu seras obligé d'avoir des mises à jour par rapport au jeu qui est codé sur le CD, en fait. Tu seras obligé. Mais bon. Sur console, j'aime pas. Ouais, sur console, c'est chelou. Quand je joue au Sims, mon ventilateur fait autant de bruit comme un avion de chasse. Tu joues sur console, Bubble Town, toi? Après, j'ai jamais eu de console, donc j'aurais du mal, moi. Mais je trouve que c'est plus ergonomique sur PC. Elle a l'air vénère, la petite nuage, c'est vrai. Avant, le 1 et 2, c'était sur l'ordi. Mais oui, Sarah, mais ça chauffe. Ah oui, d'accord. A bientôt, Kat Kiki, merci d'avoir été là. Il doit devenir astronaute, Marie. Non, il travaille pas encore. Il a eu sa remise de diplôme au début du live. Et puis, ben, j'ai voulu qu'il fasse un petit peu... qu'il avance un peu sur sa fusée, en fait. Mais Bichette! Mais oui, mais je sais que tu l'aimes, ton père. Mais viens manger. Oh, il y a des trucs qui puent. Médiocre. Oh, super. Bah tiens, tu vas manger, ça. Ah, ça y est, elle a fait pipi? Bon, elle a faim aussi. Ouais, hein. Allez, ça va être la tournée. La fournée des gosses. Bah, allez, tout le monde à la bouffe, là. Allez, les femelles, à la bouffe. Bon, j'espère que le troisième, il aura les yeux bleus. Hein. Quand même. Mais, fais... Non, Pulcott. Non, arrête avec les gamines. C'est bientôt anniversaire de Perle. Oui, je le sais. Voilà, il fait un peu de sport, c'est bien. Ça va faire sortir les pecs. Oh, il pense à son daddy. Oh, bah oui, hein, il était bien gaulé, ton père. C'est ça, hein, de devenir président charmeur, hein, ça. Il était obligé d'être bien gaulé. Hein. Ça mange. Chacune dans une pièce différente, parce qu'il faudrait pas se mêler entre nous, quand même. Hein. Ce serait dommage. Non, tu vas faire la vaisselle, toi. Tu
Tu dormiras si tu veux, après tu feras une petite sieste. Non, je vais remettre ça là. Tu vas enlever la nourriture gâtale. Gâtée, pas gâtale. Ouais, elle est crevée. Et tu viendras faire une sieste. Ouf, il y a tout le monde. Tout le monde est crevé dans cette baraque. Ok, ok. Tout le monde va faire une sieste sur le canapé. Bien sûr, on attend que la naissance du petit, du dernier bébé pour après faire les prénoms, voter les prénoms, et puis on s'arrêtera là. Je pense que c'est déjà pas mal. J'adore. En accéléré, ça me fait tellement rire. Allez. Eh, il se dit, oh, j'ai perdu du gras, je suis presque BG comme mon père, wesh, wesh, t'as vu. Ok, très bien mon pulco, tu vas reprendre une douche, tu vas me faire un petit pipi aussi dans la foulée, hein. Et puis tu vas te lancer dans la carrière de ton choix, enfin de, non pas de ton choix parce que nous savons très bien ce que tu vas faire comme carrière. J'espère que le troisième sera un mec. Eh ben, on verra bien. Tu dois arriver au niveau 10 de sa carrière. Oui, si, si, Alexa, ouais. Ouais, ouais, à chaque fois qu'il y a une carrière qui est dans le challenge, il faut aller au niveau 10. Donc, j'espère qu'il aura un niveau bien avancé pour l'astronaute. Parce que, vu le temps qu'on a perdu à faire les études. Et il grandit quand, d'ailleurs, lui? Ah, merde! C'est son anniversaire! Pulcote! Regardez-moi, ça dort, tout ça, là. Les trois, elles dorment. C'est l'anniversaire de Pulcote. Fichtre. Bah, il va se faire son propre gâtal, hein, tant pis. Hein. Cuisiner le gâteau au chocolat des gagnants. Ça va, là Oh non, alors non, là, les gosses qui chialent pour un rien. Tu vas pas commencer, hein. C'est bon. Ah bah, il y a deux secondes, elles étaient en train de dormir, et là, elles sont déjà en train de gambader... Est-ce que tu sais monter? Ah, bah, va, tu déambules, alors, voilà. Tu as déambulé pendant 2-3 heures. Ça va t'occuper. Alors, acteur. Non, 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 non. Astronaute. Recrutement de technicien. Alors, qui ne rêve pas d'aller dans l'espace? Devenez astronaute et la galaxie tout entière sera votre terrain de jeu, branche professionnelle, ranger de l'espace et trafiquant interstellaire. Et ben voilà. Il commence mardi à 13 heures. Super. Et donc, il est à quel rang? Parce qu'on sait pas, là. C'est une foutue blague. Ok. D'accord. Ah non, mais alors... Ok. Niveau 3. Bah, une chose est sûre, c'est que je ferai plus les études à la fac pour perdre autant de temps et d'énergie pour gagner deux foutus niveaux de mes... Non, plus jamais. Ah, ça c'est clair. À chaque fois, à un moment donné, il faudra changer plusieurs fois de carrière. Ah oui, c'est vrai, il me semble que je l'ai vu, mais... J'ai envie d'un gâteau au chocolat. Je suis désolée, Marie. Je suis dégoûtée. C'est pas possible. Je le surveille parce qu'il a faim. Je voudrais pas qu'il mange un morceau. Hop, bougie d'anniversaire. Ok, il est quelle heure? Il est 20h, Paris s'éveille. On va faire rapidement un événement social. Ah, Mousquetibs. Ouais, super. Alors, fête d'anniversaire. Go. Sim célébré, Pulcote. On invite, bien sûr, Nathalie, Gwen, Perle, Nuage, Emma Moore, Adia, Jonathan, Christophe, Laura. Et c'est déjà bien assez. C'est déjà très bien assez. Mais c'est bugué! On n'est pas dans cette maison. Merci Fatima pour l'abonnement sur YouTube. Mais qu'elle est mignonne celle-ci. Hein? Toute ronde de vêtue.
Allez, il va faire des mamours à ton homme, quoi, non? Comment s'est passée la journée? Proposer de toucher le bébé. Ah, je crois que du coup, on va avoir la super tenue de fête. Qui est affreuse. J'avais dit, c'est... on fera pas et tout, on s'en fout. Puis finalement, voilà. Bah, tiens, tu iras dormir si tu veux. Mais toi, cocotte! Ah ouais, mais ouais, elles sont de la fête. Vas-y, bah viens, viens faire rêver. Merci Laurent pour le faux. Merci, remercie d'être là. Oh, le petit bidon, il est petit hein, le ventre, je trouve moi, par rapport à d'autres qui avaient des ventres beaucoup plus proéminents. Salut Ginny. Oh, t'as un pseudo très compliqué. Hein. Merci Julie pour le follow. Maintenant on a vu qu'on fait de nuage, c'est ça. Tu n'as pas le droit de lui donner une potion car je pense que tu réussisses à aller au niveau 10 avant qu'il meure. Bon, merci Nami déjà pour cette ce soutien. Je sais pas si on peut donner une potion, j'en ai aucune idée. Bon, il y a personne qui vient à l'anniversaire, on va pas perdre de temps. Hein. En plus on a un gamin qui est on the way donc bon bah les souffles. Il a 40 piges, il va commencer sa carrière niveau 3. Non mais sérieusement, l'arnaque. On m'avait pas dit que c'était niveau 6. Minimum. Ah bah voilà. On va voir le bébé. Happy birthday Pulco. Happy birthday Pulco. T'es tout vieux et tout gros. Ouais, happy birthday Pulco. On va prendre. Mais non, mes cocottes! Allez! Va mettre bas! Ah oh, putain! Et viens réparer ça aussi après. Bon! Vous allez pouvoir être prêts pour le prénom de l'enfant numéro. Dry! Ah! Bah c'est de Dry! Dry! Oh la tête qu'elle fume! Regardez comme elle est belle! Oh, si seulement ces filles pouvaient être aussi belles! Mais avec des yeux marrons! On peut pas aller loin! Allez, bébé on the way. Il a le très responsable. C'est possible, Valérie. Des jumeaux. Pulco et un citron pourri. Allez, pousse, Nathalie. Mickey Mini des jumeaux. Mais il devient pas vieux. Non, il devient juste adulte. Parce que déjà. On est déjà quand même en retard par rapport à la carrière, puisque normalement le niveau 3, s'il te plaît, quoi, c'est de l'arnaque. Attention! Et c'est. C'est encore une fille! Marie en PLS! Marie va se rouler en boule sous son lit. Allez, c'est parti pour les prénoms féminins. Alors, on va peut-être remettre sur le tapis Griselda, qui était jolie quand même. Je croyais qu'il était déjà adulte. Bon, alors tu peux y aller. Oui, on pourra, ouais. Girls Power, non. Et oui. Donc, je propose Griselda. Est-ce que vous avez d'autres idées, s'il vous plaît? Je vais commencer à faire le petit stropole. Griselda. Ah, si, je me désabonne. Ah, Marie. Oh, Marie, si tu savais. Tu serais triste. Tu serais la première à être triste. Genre, la meuf. Ah oui, il y a Mini. Alors, Mini. Mini, quand même. Ce serait dommage. Stella. Pourquoi Stella, Bubble Town? Alors, il faut qu'il y ait un rapport avec la couleur grise. Gris ou grise. Grand-mère. Grand-mère. Je spam tant que j'ai pas Mini. Tu vas te faire ce. Fais gaffe, Nightbot est là. Hein. Attention, hein, parce que tu vas te faire taper dessus. Hein. Ce serait dommage. Donc, bien sûr, après, je vais proposer un vote. Tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à voter. Hein, à faire entendre votre avis, évidemment. Poussière. J'espère qu'elle aura les yeux bleus. Mais grave, parce que là, ça me casse les pieds. Hein.
M'en fous, je lui changerai dans le CAS. Hein. Tant pis, je tricherai. Cendre. Alors, peut-être... Parce que Cendre, comme ça, c'était Pauline, si je dis pas de bêtises. Hein. Je crois que tu m'avais remis un commentaire la dernière fois. Où elle me proposait Sandrine. Donc écrit avec la base de Cendre. Sandrine ou Sandra. Cendrilla, ah ben ça fait un peu trop Cendrillon, tu vois. Mais Mini la souris, alors prend gris. Oui, bah oui, ce sera dans les votes. Tout le monde vote Mini, sinon je viens personnellement vous botter le cul. Ça, c'est Marie qui dit ça. Vous imaginez un peu? Alors, vous avez pas d'autres idées sur donc ce sera la Griselda et Mini. Et puis, n'hésitez pas, hein, tout le monde. Mais non, Nuage. Alors, Julie, c'est très joli, Nuage, mais on l'a déjà donné à la deuxième. En fait, la deuxième petite fille, elle s'appelle déjà Nuage. Après, je peux mettre Orage, si j'ai envie. Parce que on en a parlé tout à l'heure, Orage avec Nuage. Ça fait un peu trop redondant, quand même. Ouais, peut-être. Sandrine, c'est sympa. Ouais, hein. Tu peux déjà venir me botter popota, Marie. Je vote pas pour Mini. Morose. Morose. Orage, vous voulez Orage ou Sandrine? Oh, attendez, on va faire les deux, et puis comme ça, on va... Nous sommes sur toujours Mini qui mène la danse, et après Griselda, Sandrine et Orage. Gustave. N'hésitez pas! 10 secondes, c'est maintenant ou jamais, les enfants. Attention! Depuis qu'il est dans chaque vote, oui, c'est vrai. 3, 2... 1, 0, et hop, ignoré, et nous sommes donc, eh bien, ce sera Mini. Bravo, Mini Rainbow est dans la place. Brrrah, Mini Rainbow est dans la place, les enfants. Enfin, c'est où? Je sais plus où je suis dans les Sims maintenant. Mini est arrivée. Est-ce qu'elle sera belle? Est-ce qu'elle aura les yeux bleus? J'ai peur. C'est bon, il n'y en a qu'une. Ah, quel bonheur. Et Miss Alpha Omega Studio, merci pour ton abonnement sur YouTube. Cocotte, tu sais bien que les gamins, à chaque fois, chez moi, ils gueulent direct d'entrée. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, dégage, toi. Ah, franchement, mon pulco, je suis tellement déçue que tu sois que niveau 3. Oui, il est 22h, vous allez niquer. Viens ici. Vous allez vous donner... Elles sont où les gamines? Ah oui, elles dorment en bas. Ah. Ah. Non, bah... Vous allez coucher une chacune. Tu vas aller coucher Perle. Vas-y, tu vas aller coucher Perle. Et toi, tu vas aller coucher Nuage. Hop. Perle, Nuage et Mini. Le truc qui... Il n'y a aucune corrélation entre les trois prénoms. On est d'accord, hein. C'est magnifique. C'est vrai, j'ai oublié. Il y a encore l'anniversaire. Oh, on s'en fout. Personne n'est venu. Cette famille est complètement ingrate. Ces familles et amis de pacotille. Mais Pulco, je t'ai demandé d'aller coucher Perle. Voilà, tu commences pas, là, c'est la fin du live, s'il te plaît. J'aimerais être de bonne humeur, tu vois, de pas m'énerver, pas avoir envie de tuer toute la planète. Oh, et toi, commence pas. Qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous, toi aussi? Mais c'est pas vrai, je vais les tuer. Je vais les électrocuter. Je vais les mettre au feu. Allez! Deux gosses à les foutre au lit, là. Mais non, tu crois quoi, nous? On est père de famille, là, maintenant. Et en fait, le vendredi, j'ai oublié d'aller à la réunion des lutins, là. Oh, toi, commence pas, je te le dis direct. Oh, c'est pas une nuage, c'est un orage, celle-ci, hein. La Shintok, là. Je rigole. Oh là là. Vas-y, tu vas l'aborder. Elle nous fera les... Hein. Tu vas l'épicer aussi un petit peu. Par contre, lui, il a réussi à lui faire la petite histoire. Donc, c'est bien. Tu peux lui faire un petit bisou aussi. Oh, voilà, ça c'est mignon. Et que dès que l'autre a fini de pisser,
Le petit crac-crac. Bon, ben voilà, la génération grise sera donc féminine. Ça change, on a eu deux héritiers mâles. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Zen. Donc là, nous aurons bien une fille en héritière, donc c'est Mervelous. Bon, hé, là, j'en ai marre. Là, c'est bon, je vais m'énerver. Vous obéissez, bon sang de bonsoir. Ou un tour dans la piscine, c'est ça. J'ai oublié l'anniversaire. Oui, bah oui, bah. En fait, personne n'est venu, donc tant qu'à faire, on va l'annuler, ça sert à rien. Hein. C'est pas un objectif. Hein. Allez, un petit peu de sport en chambre, s'il vous plaît, les enfants. Voilà, voilà. D'ailleurs, je vais... Faut pas que j'oublie d'enregistrer. C'est trop dommage. Bah, ça... Vous activez ou... Ou en tout cas, ça le distrait, donc c'est une bonne chose. Bon, je pense qu'elle est à moitié endormie dans le lit. Hein. Y a pas la petite musique en fait, c'est ça qui me perturbe. Y a pas la petite musique. Tu savais qu'avec les barrières du kit bambin, tu pouvais faire un parc pour bambin pour pas qu'ils bougent de partout. Ah bon? C'est une bonne idée, tiens. Je vais les emmurer dans leur chambre alors. Non, maman grenouille, t'as pas le droit de me dire ça. Hop là, moi je mets sur pause. J'enregistre la partie et je vous dis au revoir et merci beaucoup d'avoir suivi cette rediff de live. Des gros bisous à vous et à bientôt. Ciao.